Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5, la suite directe à l'épisode 4. Donc on s'est arrêté ici et on était en pleine exploration. Alors je ne me rappelle déjà plus. Ah voilà. Donc en montant l'épisode 4, j'ai compris un truc. C'est que ça se trouve, là il y a déjà des trucs notés. Et en fait, dans tous les bâtiments, on peut y rentrer, ça se trouve. Et que c'est un peu monde ouvert. Donc ça risque d'être long si c'est ça. Donc moi, de toute façon, j'avais envie d'aller en haut à gauche, là. Down sous du Seattle, là. Là, j'ai un accent de ouf. Et après, il y a WLF, là. Qu'il faut aller à droite. Du coup, faut voir ça. Ce qui me semble, il fallait aller en haut à gauche pour de l'essence. Donc on va y aller en premier. Et où le cheval? Bah elle était là elle aussi. Ouais. Attends, si je vais là, ça m'emmène où? Ok. Sur ma route, oui. Ah bah je peux pas y aller. Attends, t'apparais, tu disparais, tu fais quoi toi? Il pète un plomb. Donc attends. Parce que je crois que vraiment on peut aller dans plusieurs bâtiments et... Ça m'inquiète un peu. Oh là là, regarde. Il faut le voir, hein. Par pur hasard. Où est-ce que tu vas? Il y a un truc au fond. Ouais, un autre grillage. Oh. T'as noté quoi dessus? Ah voilà, tu vois. Je me suis approché de ça, du coup il note un truc. Ça se trouve, faut faire toute la carte. T'as plusieurs cinématiques comme il y a avec la guitare là. Ouais bah ça risque d'être long à cet endroit là aussi. Oh. Utiliser le code de la porte. Ouais. C'est quoi le code de la porte? Code de la porte. Ouais. C'est noté dans mes trucs ou pas ça? Liste, code et poste de contrôle. Ouais. Ah voilà. Ah oui d'accord, donc vu que l'on est à l'ouest, faut que je prenne les codes de l'ouest. Ou alors non, je suis con. Combien de chiffres le code? Ah si. T'en avais dit 61. Je sais plus ce que je voulais faire. Non. Je perds mes moyens. Alors c'était quoi le code que je voulais? 61, 28. Si c'est ça, franchement, c'est... Ouais. Faut se rappeler, hein. T'as les codes. Oui, donc ça. J'ai déjà perdu le code, mais je suis vraiment un triseau ou ça se passe comment là? Putain, j'ai été dans le cul là, ce matin. Ouais, donc ça. 28. 28. 28. Non, c'est bon, lui, j'ai pas oublié, sinon j'aurais pété un plomb. Donc 28. Ça se trouve, c'est pas ça. Enfin, ça serait chiant.
Ok. Et c'est raté. Attends. Pente, le code d'en dessous, je m'en souviens, alors que j'ai même pas fait. Tac. C'est pas ça, tu me fais chier. Oh là là, cette beauté. Ça marche. On a récupéré pas mal de trucs. Oh, une carte Pokémon. C'est Aqua Girl. Flo. Biflo ou Oli? LOL. Putain, qu'est-ce qu'on se marre dans ces... dans cette ambiance. Medikit. Ok, voilà. Donc, je vais mettre un Medikit. Mais non, mais comment on fait? Voilà. Là, faut être malin, tu vois. Faut utiliser le plus possible pour rien laisser. Pef. Oui, donc ça, je m'en fous maintenant. Donc. Ah, bah, c'est écrit Ouest 2. Faut vraiment lire, hein. Faut arrêter d'ignorer ce qui nous entoure. Donc, du coup. Attends. Bégaye pas. Voilà. Tu maintiens ça, la machine. Ah, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des routes qui sont condamnées. Donc ça se trouve, genre, faut aller en bas, faut tourner à gauche, il faut remonter. C'est un labyrinthe un peu. Bon, un labyrinthe avec des immeubles de 90 mètres de haut, peut-être. Hey, ça ressemble bien à un dôme, ce truc au sommet du bâtiment là. Hein? Ouais, t'as raison. Et? C'est bon, c'est sur la carte. Donc faut y aller aussi. Bah tu vois, faut leur aller partout. C'est... Ouais. Je sens que je vais faire une grosse vidéo d'1h30, mais je vais faire plein de coupures parce que entre les voyages de cheval, tout ça, ça va être un peu long pour ceux qui regardent. Franchement, ça m'étonne pas. T'as hein. Vu un peu ces vitraux. Quoi? On n'en voit pas beaucoup. Vitraux. Distribution de carburant. Oh. Allez, c'est parti. On peut dire que la Fedra a bien barricadé cet endroit. Bon. Il y avait toujours des pénuries de nourriture à Boston. La faim rend les gens fous. Non, on peut aller partout là-dedans. Là. C'est le Dawa. C'est bon, vas-y. Attends, je voulais pas y aller forcément. Merde. Cache-toi. Mais non, mais. Ah ouais, c'est cool ça. Genre, du coup, il me voit pas. Ah, ça va être. Oh là, oh oh oh. Merde. Tu contournes, banks, bœuf, tranchage de tête. Et donc toi? Oh bah, t'es efficace! La ferme. Genre elle m'a entendu, tu sais. Net et sans bavure. Bavure policière, MDR. Je peux pas retourner là-bas parce que je voulais pas y aller à la base. Nickel, merci. Donc on est obligé d'aller dans un endroit qui m'emmène à gauche. Ouais. Bah c'est cool. Wow. Putain, ils sont beaux les arbres. À droite il y en a. Wow. Nani. Oublie toi toi. Allongé. Oh là là, c'est beau ça.
Vaut mieux faire quoi là? Ça risque d'être chaud ça. On peut l'éliminer comme ça. Faut que l'autre il se barre. Obligé, faut aller là. Et pas le choix. Ah, ok. Quoi? Ouais, mais t'es con toi aussi. Fais gaffe. Je vais te laisser crever en fait. Ouvre l'œil. Elle voit plus. Mais toi, par contre, t'es con. Tu t'es allongé pour Ken, mais par contre là, il y a plus personne. Encore des gens dans le coin. Ils auraient nettoyé la zone. Peut-être qu'ils sont pas arrivés jusqu'ici. Peut-être. Allez, faut trouver de l'essence. J'ai rien oublié. En plus, je crois qu'il fallait passer par là hein, pour entrer dans le bâtiment. Donc, BNF. Oh. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de spécial là-dedans. Ouais. Hey, Ellie, c'est une synagogue. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des Hébreux. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça, pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. Il faut aller là-dedans. Oh, merde. Le verrou est de l'autre côté. J'ai trouvé de l'essence. Il y a plus qu'à y accéder. Mais tu la sens la quenelle ou pas, genre qu'il n'y a pas d'essence? Ou alors qu'il y en a juste une petite gouttelette histoire de dire continuer. Oh d'accord. Putain, faut les voir les petites rampes là. Oh, une porte. Ok, il y avait plusieurs chemins. Et pousse autant que t'es con. Ouais, bah ouais, mais je suis con. Il y a un peu God of War, hein. Comment on déplace le truc. Je vais y aller là quand même. Ouais, bah c'est cool. Restons calmes. Oui, vas-y, fais un well si tu veux. Il n'y a rien avant que je shoot comme un con. Allez, vas-y. Donne-moi ta gouttelette là. Ok, alors. Merde, c'est génial. Sois poli, c'est un lieu de recueillement. Il y a de l'essence ici. Oh putain, c'est génial. D'accord. Donc c'est bon là? On peut se barrer? C'est parfait. Ah, il est où ton verrou là? Bon, mais il est pas là. Mais il est là.
Et là, il y a des zombies. Non, mais c'est parfait. J'avais la flemme. T'es en train de parler de quoi? Ouais, donc. Cet endroit me rappelle des souvenirs. Ça t'arrive encore de prier? Ouais, parfois. Vraiment? Quand ça? J'ai prié quand on a quitté Jackson. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois, je me dis des petites prières, juste pour moi. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est ah, je viens de comprendre. Une façon de gérer mes émotions, de faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude. T'as du biceps, celle à faire un well avec ce truc là. Donc, ça c'était obligé. C'est le même scénario que God of War. Et voilà le travail. Hop là. Par là. Vas-y, je te suis. Hey, ready go! Que me dit cette lettre? Ouais, j'y vite fait parce que voilà. Sinon, je vais mettre deux autres vidéos. Ah. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah ouais. Donc, faut même lire les lettres pour qu'elles notent des trucs sur la carte. C'est Tarzan ou... Bon, attends. Là, c'est plus intéressant. T'as juste le meuble à ouvrir? Ça fait trop film d'horreur. Là, t'as une tête. C'est quoi, ça? Oh, ça, c'est la Torah. La quoi? Disons que, dans le judaïsme, c'est un peu... l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Cool. Au moins, ils ont pas tout balancé. Donc tu voulais faire Tarzan, toi? Je parie que je peux atteindre l'autre balcon avec ça. C'est un peu le but, hein, je pense. Ellie, fais gaffe. Oula. C'est bon. Maintenez R1 et... Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile, toile. On sécurise toujours pas une dernière fois. Oh. Oh. Allez, Dina. Il a failli. Il a failli. Putain, mais pourquoi je me baisse à chaque fois? Je suis débile ou quoi? Oh là. Il y a le bureau du patron là. Ah, m'en fous de ça. Lieutenant Torres, il a 70 ans, ma grand-mère, ouais, on s'en fout de ta grand-mère. J'espère que vous êtes sains et saufs. Ah. Étudation. Tac, tac, tac. 5774. On a fait un bond dans le futur? Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Oh, super, maintenant j'en ai envie. Ah, ça devait être bon. Pendant les fêtes juives, on mange tout le temps. Ouais. Et puis, on se félicite de ne pas avoir été annihilés par nos ennemis. J'aime l'idée d'être issu d'une longue lignée de survivants. Ponte.
5774, je suis sûr qu'il faut le retenir pour un futur code. Il joue avec notre mémoire. Pas besoin d'aller en haut là. Faut sauter. Oui. Bon, le portail maintenant. On sait pas quand on croisera à nouveau Abby et ses amis. Ah bah voilà, c'était plus de matériel avant de continuer. Pas faux. Je vais aller en bas, vite fait, s'il y a un autre truc. Ah, du coup là c'était le chemin. Oh quoi que, attends. Il y a une autre échelle. Je sais pas pourquoi. Oh des miradors. Cheval. Je vais pas moitié chier lui. Allez, bombarde, bombarde. En avant, paillette. Eh, tout va bien? T'as mal du pays? Juste un peu. Et toi? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Mmh. Quelqu'un a campé ici. Ça a l'air récent. Tu crois que c'était Tommy? Peut-être. Qu'est-ce que tu disais? Ouais. Mais... bref. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite. Seulement voilà. Si on fait ça. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Non. Ouais. On va pas aller en bas parce que j'en ai un peu marre. Cette idée me plaît beaucoup. Vraiment? Je veux de l'histoire. Vraiment. On peut aller à droite, à gauche. Ouais. Évidemment. Ok. Je vais marquer l'endroit. Ok. Oh. Oh, c'est un... ouais, nickel ça. Examiner. Moi, naturellement, j'utilise tout le temps le petit gun, moi. Je sais pas pourquoi. Franchement, c'est tellement bien fait. À la fin de ces ça va être des guns en or les trucs. Oh, c'est pas mal. Je dirais qu'il y a rien d'autre par ici. Ouais, ça va quand même. Qu'est-ce que tu caches? Hey, qu'est-ce que c'est? A priori, il y aurait du matos dans une banque. On pourrait aller y jeter un œil. Encore une zone. Putain, elle est en bas. Putain. Oh les putes. C'est quoi le logo clé là? Il y a un truc? La vache. Pas mal le dessin. Oh, c'est moi qui l'ai fait. Bon, après, je vais pas... ouais. Carrément, elle dessine son cheval. Donc là... oui, donc on retourne...
Ah non, mais j'ai pas fait. J'ai pas foutu une droite là-dedans. Bon bah écoute. Faut faire du bruit. Jumbé. Je sais pas s'il faut le casser. Dans le doute. Ouais. Mais une balle en moins, j'en ai plus. Allez, c'est parfait. J'ai plus que 3 balles. Oh. Attention. Attention. Oui, donc paf, pas le temps. Du coup. Faut aller en bas. Ok. Ah donc ce serait ça la banque. Ah ouais, c'est écrit dessus. Encore une fois, faut lire. Regarde l'enseigne. Je crois qu'on a trouvé la banque. Eh ben je viens de voir un si peu. Tu veux. Et donc désolé, j'ai fait une coupure ou je sais pas, je verrai le montage. J'avais reçu un colis. Grande commande. Ah bah oui. Ouais. Casse-toi. Ouais. Gardez ça pour plus tard. Putain, c'est le Dawa. J'aime le risque. Mais c'est pas un peu trop dangereux ça? Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin, je crois. Ouais, bah c'est, voilà. Il est là le problème. Hein? J'ai par balle. Déjà, c'est assez chiant de les buter, ils ont des gilets par balle. Ça va. Ils sont cheatés. Quoi? C'est qui me boit là? Ah non, toi je te bute direct. Ouais, ça part. Oh. La chance. Oh la chance. Je crois pas qu'ils voient bien, hein. Eux aussi. Ils sont peut-être dans l'évolution de claqueur. J'espère qu'ils vont pas oublier le but principal qui est pourquoi il y a des zombies. Enfin, pourquoi ils... Quoi, c'est comme ça maintenant quoi? Parce qu'on sait toujours pas du coup. Parce que là on est dans un fond dans l'histoire de la vengeance, tout ça. Oh. T'es où là? Tu vas où? Ok, c'est bon. Donc toi tu prends lui là-bas, et moi je prends l'autre. Voilà. Quel beau couple. Donc c'est bon normalement. Ok. Ouais. On les a tous eus. Sérieux. Bon, on a trouvé la banque. C'est quoi ces gilets pare-balles? On dirait pas des soldats. Ouais. Je sais pas. C'était de l'armée, hein. À l'époque.
Je crois que ces types en gilet pare-balles ont essayé de braquer la banque. Oh merde. C'est comme dans ce film. Lequel? Celui avec les cambrioleurs qui faisaient du surf. Oh oui, j'adore ce film. Il y a un coffre-fort là-dedans. Oh beau. Oh là là, c'est allez, beau c'est ça. Parti. Attends. On va réviser avant. On va réviser. 60 23 06 60 23 06 60 23 06. Et voilà. Si un zombie dedans, c'est impossible. Pourquoi il y a un mec dedans? Oh. Oh. Ça, j'aime. Merci. J'ai vu que c'était un fusil à pompe, t'inquiète pas, je l'ai vu. C'est frustrant hein, d'avoir des millions devant ta gueule et ça sert à rien. Le sac en est rempli. La vache, si on vivait dans l'ancien monde, ouais. Ouf, on serait riche. Alors on s'en tape. Là tu peux rouler des joints avec, tu fais ce que tu veux. Bon, pourquoi genre elle ouvre qu'un seul casier? Oh. Cool. Encore un code ou... Ok. Ah ouais, c'est vraiment, on est sur du million quoi. Fait chier, hein, je sais pas ce que c'est. Bon, ils racontent leur vie d'avant un peu. Ils ont essayé de cambrioler la banque le jour de l'épidémie. Ils pensaient sûrement que c'était une bonne idée. Ouais. C'est des ouf. Donc on est bon. Ouais, donc en fait, je crois qu'il faut fouiller la ville, parce que c'est pour trouver des fusils à pompe. Oh. Bah non. Quoique. Attends. Je voulais tester le pont vite fait. Je vais tester le pont. Il me donne envie. T'es où? T'es où? C'est beau. Je crois qu'on a fait le tour. Ah. D'accord. Il a plus de tête. C'est ce qu'on attend d'un pompe. Donc j'ai fait ta banque. Est-ce qu'il faut que j'aille un peu à gauche maintenant? Parce qu'on est vraiment sur du fouillage de ville. Parce que si après il me file un sniper, je dis pas non non plus. Donc tac. Normalement je vais faire plein de coupures. Si je vivais dans l'ancien monde, j'achèterais quoi avec tout cet argent? Peut-être une grande ferme. Bah, tu peux déjà en acheter une, non? Ouais. Et toi, t'achèterais quoi? Une navette spatiale. Ouf. Ouais, c'est vrai. Ton délire d'astronaute. Eh, hey, c'est beaucoup plus cool qu'une ferme. Une ferme, c'est beaucoup plus pratique. Oh. Ouais. On avait des trucs ici. Bon, on a trouvé un fusil à pompe, alors ouais. Ça valait le coup. Parfait, retournons au portail Fekfedra maintenant. Wow, vise un peu le char. Oh. Là, il va me sortir une grenade. Ou un bazooka. Oh, un bazooka. Ce serait génial. J'ai vu un char comme ça en accessoire. Aïe. Il est beau. J'aurais pas aimé être à leur place. Qu'est-ce qu'il y a? Des squelettes carbonisés. Ouf.
dans le genre mort horrible. Un peu comme ces astronautes. De quoi est-ce que tu parles? C'était une des premières missions lunaires. Il y a eu un incendie à cause d'un court-circuit. Et les astronautes ont brûlé dans leur cabine. Au moins, ils sont morts pour quelque chose qui valait le coup. Exactement. Eux, c'était des enfoirés que d'autres enfoirés ont buté. Je crois pas qu'on peut aller à gauche. Vu le... la taille des immeubles qui m'empêchent de passer. Putain, c'est stylé ce bâtiment. Oh, des biches. Et des biches. Tac. Ah bah je peux pas aller à gauche, j'ai l'impression. Mais il fallait que j'aille là, donc tant mieux. Putain, en vrai, faut fouiller, hein. Ceux qui aiment fouiller sont servis. Patterson. Eux, ils sont partout, je me demande c'est qui. Tu connais quelqu'un ? Non. Ils sont trop vieux. Ceux de Jackson étaient encore des gosses à l'époque. Vaut mieux que je pète là comme ça. Ouais, c'était ça. Prends les balles, c'est plus important. Hey Davis. Ok. Joël adorait le café, non? Ouais. Tu plaisantes. Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. J'ai jamais compris. Ça a un goût horrible. Un goût de brûlé. Merci. Bon goût. Mon cul, ouais. Big Blue. C'est Wellord. C'est vraiment Pokémon, hein. Attaque Wellmer, non? On va avoir Pikachu après. C'est de l'alcool, ça. Bon, tu niques des balles pour une petite dose. Alors que j'avais une brique, je suis con. Bah oui. Je veux dire souvent ça, je suis con. Bon, je t'ai peut-être ramélioré, là, non? Oui. Ah, donc ça, t'as plus besoin de l'améliorer, après. Et augmente la vitesse... Ah ouais, c'est dans l'ordre que tu dois... Oh, d'accord. Sens jusqu'au portail Foxedra. Survie. Okay. D'accord. Il y a plusieurs trucs. Il y a trois catégories. Dont une qui est bloquée. Je crois que c'est en fonction des armes. Survie et confession. D'accord. Ok. Ouais. Ah là, il y a mes cartes. Ok. Ça part. Fini. Ah non. Eh, heureusement, je fume pas ma gueule en train de jouer, hein. Ouais. J'ai flippé ma race. Je sais pas, mais j'aime pas ces trucs. Ça ouvre quoi? Honnêtement, je le pensais. J'allais lire. Ah, dans les chiottes, tu vas avoir un zombie. Bam. Dans la gueule. Eh, j'ai trouvé une clé. Il y a marqué Barcos dessus. On pourrait aller y jeter un œil? Il me renvoie sur quelque... Oh là là. Il y a des trucs à faire là-dedans. T'as des sacrées règles. Il va aller au chiottes longtemps, lui. Ensuite... Je crois qu'on est déjà passé par là. Oui.
explorer. Ok. Ouais, donc je suis dans le chemin. Oh non, faut retourner au lycée. Ah non, cool. Alors, je sais pas où faut aller maintenant. Casse-toi, le cheval. Non. Ah yes, c'était ça. Oh merde, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est bien de trouver la clé avant la porte. Ça, t'as besoin de la chercher. On peut y aller là-haut? Ouais, mais tant mieux, j'ai pas envie. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Ouf. On dirait que ça appartenait au WLF. Wolf. Mais c'est un diminutif. La propagande WLF. Ça me rappelle les Lucioles à Boston. Au Nouveau-Mexique, c'était les corbeaux. Ils s'étaient autoproclamés protecteurs de la Constitution. Et c'était qui exactement? Des ex-Fedra qui voulaient plus se plier à toutes leurs règles. Ils menaient des raquettes de protection. Et étaient polygames. Des grands hommes. Tu m'étonnes. Ouais. Donc là, il va me remettre des points sur la carte. C'est des plans pour attaquer un convoi de la Fedra. Cet endroit est à l'abandon. Ouais. Ça fait des années que personne n'est venu ici. Et si on allait voir? Faut tout voir en fait, j'ai l'impression. Je pense qu'on a tout fouillé ici. Oh, c'est quoi ça? Ça tu... Ouais. Kuni et Ghost auraient adoré ce truc. Bah équipe, hein, m'en fous moi. Pour affouter ta copine comme ça. Oh. 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 Franchement, fouiller, c'est utile, hein, clairement. Qui ça? Déjà que j'avais adopté avant d'arriver à Jackson. Mais il n'avait pas vraiment envie de me suivre, donc. T'as eu des animaux de compagnie? Ah, non, c'est pas trop mon truc. Eh ben, peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra en avoir un. Oh, merde. D'accord. Elle a dit quoi? J'ai même pas fait gaffe à ce qu'elle a dit. Oh, le cheval il fait chier à être là-bas. Hey, t'es inquiète? À propos de quoi? De tout ce qu'on a trouvé sur le WLF. Elle est là-haut maintenant? On dirait qu'ils sont plus organisés que prévu. Ouais, bah ça change rien pour moi. Ok. Ça veut juste dire qu'il va falloir être plus prudente. Au moins, ils savent pas qu'on va leur tomber dessus. Exactement. Tout va bien se passer. Je sais. Bon. On ferait mieux de retourner au portail Fuck Fedra avant la tombée de la nuit. Non. Ouais. Je fouille. Peut-être qu'on croisera des WLF à la base Cerevena. Ouais, c'est là. Ok. Là, s'il faut aller sous le pont, ça va être encore long. Ok. Du coup, elle sait nager, elle, ou pas, là? Parce qu'avant, elle savait pas nager. Je pense qu'elle sait nager, quand même. Donc, vous pouvez aller là-bas. Ouais. Ce type était un officier. Dans un camion de ravitaillement? Il se cachait, peut-être. Il a raté son coup. Ouais, on peut dire ça.
Il joue avec notre peur un peu avec le jeu là. Fait que faudrait que ça. Ok, cool. Plus rien déjà. Ok, c'est tout. Donc, genre, je chante tellement. Genre, où t'as des zombies sous la flotte. Ils vont prendre les jambes en mode screamer. Si ça arrive pas dans le jeu, je les comprends pas. Donc ça c'est déjà fait du coup. Donc je vais aller à Wolf là maintenant. Enfin le... Je dis Wolf, WLF, c'est long. Ok. Et mon putain de cheval est là-bas. Il se bordit. Oh putain, faut tout le temps l'attendre. Où est-ce qu'on peut passer? Là-bas. Eh bah, quelle aventure! On n'a croisé aucun WLF. Eh, hey, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. Ah bah non! J'avais espéré en trouver au moins un. Ouais, donc je crois qu'il faut aller au Fuck Fedra et qu'il faut remonter après en fait. Parce que là, je pouvais pas y aller de toute façon. Et là, il va me dire: trouve de l'électricité. Me fais pas chier. Allez, ça part. C'est parti. C'est tout? D'accord. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. Il faut un code aussi. Parfois capricieux. Faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, tu disais? Non, rien. Reste 2. Ah oui, c'est l'autre code. Voilà, voilà, regarde la mémoire. 6128. Attendez, je fais une pause. Oui, donc, excusez-moi. Donc... ça a pas marché, donc je fais le malin à chaque fois, ça marche jamais, ça m'énerve. Note, lettre, sous les codes. Code. Ouest 1, Ouest 2. Ah, 0451. En fait, c'est tous les mêmes codes à chaque fois. Si c'est pas ça, je panique. Ah, mais non. Mais non. Mais non, faut pas me faire ça à moi là, je sais pas. Non. Donc là, attends. Là, c'est Nord, machin, on a compris. Ah, il y en a un autre. 53-45. Ouh. Cinquante, trois, quarante, cinq. Ah là, ça a marché. Premier coup. Bon, pas de comité d'action. Ou alors ils se sont planqués. Faut trouver une entrée. Surveille bien les fenêtres. À droite. Wolf, WLF. J'ai compris. Ah ouais. Ça se tient. Ça sent la merde, un peu. Faut pas aller là-bas. T'as vu ça? Oh. Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil, du coup.
Ouais. Pas de coup de feu. C'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. T'as le code du portail? Je suis pas sûre. Donc là, on est où, là? Casse-toi. Ok. Donc on va quand même aller là-bas. J'ai dit qu'elle a pas le code, elle a pas le code. Hein. Je la crois. Puisque c'est moi qui joue. Ah, donc il est là-bas. Ouais. On t'a vu rentrer. Ah bah t'es là toi. Merci la poutre. La poutre de Bamako comme on l'appelle. Ah, il y en a deux là-bas. Ok. Allez. Maintenant. Ah, il y en a trois. Esquive. Voilà, on recommence. Ok, ça c'est fait. Donc, toi tu te faisais graille. Regardez-moi ça. Oh. Vraiment? Celui-ci est encore chaud. Et il y a un loup sur son insigne. On dirait qu'ils n'ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Ouais, si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un Vulcar infecté. Il serait mort, c'est tout ce qui compte, non? Ouais, mais ce serait pas juste. Ah non, j'ai déjà la carabine, c'est pour ça. Autant profiter d'être là pour faire le plein. Ouais, donc là j'ai plus de balles de machin. Ah si. Non? Ah non, d'accord. Pour échanger de place. Ben on va jouer avec la carabine. Tac. Ouais. Des yinches. C'est tout? Pas de code, pas de... Rien, ah si. Ouais. Un peu trop simple. J'ai encore deux coups de machette à donner. Je vais garder la machette. Ils se sont fait tirer dessus. Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Hé, j'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de rab, on sait où en trouver. Toujours rien. Moi, que cet épisode, on clôt toute cette grande partie, qui a l'air assez longue. Fait déjà... deux épisodes que je suis dessus. Je le connais pas non plus.
Bah t'es pas censé reconnaître quelqu'un de toute façon. Ah si si c'est le groupe qui a tué Joël, super. Quel souvenir. Un lit, très bien. Et un à prendre. Là, il y a un truc. J'accepte. J'accepte. Ah, c'est une carte Pokémon. Alors, c'est qui? Rayquaza. Oh là. Ouais, mais c'est cool. Mais t'as un trophée genre. Trouver toutes les cartes du jeu. Ok. T'as dit machin. Ok, on a compris. C'est long. Ouais, paf. Ouais, donc là, 207. Oh. Il va nous faire peur lui en se réveillant. C'est quoi ce bordel? Ah, il est mort. C'est un des types qui a tué Joël. Merde, il y en a un autre par ici. Putain, Tommy, il a la dalle, hein. C'est le nouveau Joël. Oh, il y a un code. Lui, je l'ai jamais vu. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Ouais. Ah ouais. C'est du Joël. Est 1. Encore un code? On dirait bien. On a le code comme ça, quoi. C'est du sang. Vient d'arriver, Ellie. Il doit pas être bien loin. Ouais. Heureux, petite voix off pour vous dire que j'ai dû couper l'épisode 5 à cet endroit précis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'épisode 6 au plus vite pour pas qu'il y ait un gros écart entre les deux. Donc sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à tout de suite.